Vivante. Pharmacienne ou prof de sport? Pile poil dans la lignée, j'ai bien poursuivi. Pour ces projets ambitieux, respectueux de l'environnement et le challenge que ça représentait dans toutes les villes de France de voir ces belles tours pousser comme des champignons. Moi toute seule propulser l'ITIS, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais par contre ça va passer par la réalisation de beaux projets, de beaux chantiers, une réalisation qualitative, et ça va commencer par Saint-Étienne, par Dijon et derrière beaucoup d'autres.